à 400 points. De quelle famille fait partie cet insecte? De ceux qui sont verts ou de ceux qui sont bleus? Regardez, observez, observez. Vous pouvez observer. Si vous regardez bien, vous allez avoir la réponse. Est-ce que c'est les bleus ou les verts? La question. Les bleus ou les verts? Regardez, là vous avez la chance, vous voyez à partir de l'œuf. L'insecte n'était pas encore adulte, jusqu'au numéro 8 où là il est vraiment adulte. Donc on sait tout pour 400 points. Attention, je peux interroger tout le monde. De quelle famille fait partie cet insecte? Les verts ou les bleus? Mais vous devez me dire pourquoi. Ah oui, la science, on dit jamais une chose. Oh ben moi je le sais, tiens vert. Non, 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 non. On doit donner des raisons. Pourquoi c'est vert? Pourquoi c'est bleu? Qui pourrait me le dire? Alors, je peux vous interroger toutes les deux. Alors, soit à faire, on va faire un caucus. Demandez la réponse à ceux qui l'ont si vous ne l'avez pas, parce que c'est peut-être vous que je vais interroger. Allez, si tu n'as pas la réponse, tu poses la question. Est-ce que c'est les verts ou les bleus? Regardez bien l'insecte. On sait la réponse. On sait la réponse en observant. Parce que la science, faut toujours observer. Alors, question. Toute la classe avec moi, vert ou bleu? Vert! Et pourquoi? Qui va répondre? Qui va répondre pourquoi? Ok, j'y vais avec toi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, 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 non. Autre chose, autre chose, autre chose, autre chose. Oui. Bah parce qu'il ressemble à un petit qui est né. Ben voilà, il ressemble à papa quand il est tout petit. Vrai ou faux? Bonne réponse.